Bon, on va pas te voir super bien, mais... Ah, oula, c'est hyper rapide. Fais quoi? C'est un documentaire... On est en chemin à Strasbourg. Super amusant. On a beaucoup chanté. J'ai frappé Olivier plusieurs fois. Personne va comprendre pourquoi. Mais parce qu'il a... Il a le désert. Non. Il est comme ça. Mais il est comme ça. On l'aime pas. Hola. Yo, yo, on va gagner un prix à Strasbourg. Peut-être pas, mais on se fout. Ouais, c'est bien. Voilà, donc le but de ce festival est effectivement de gagner un prix. Et moi je suis un petit peu en train de m'incruster parce qu'en fait je fais pas du tout partie de leur équipe. Donc moi je suis avec d'autres gens et je verrai s'ils veulent bien que je les filme après. Tu es venu pour les cocktails gratuits. Oui, c'est ça. Voilà, je suis venu pour les cocktails libanais. Les cocktails libanais. Pas pas que oui. Bon, une petite explication s'impose, je pense. Donc soyez attentifs car ce n'est pas simple. En fait, tout ça commence avec un concours qui avait lieu en juillet et qui devait regrouper des films amateurs et futurs professionnels. J'ai voulu y participer, mais je n'avais pas vraiment d'idée sur le thème « Je veux te dire », donc qui est le thème abordé par le concours pour ce festival. Puis j'ai remarqué que plusieurs personnes de l'atelier de direction d'acteurs auquel je participe en ce moment allaient se lancer dans la réalisation de petits courts-métrages pour ce festival, justement. Donc avec toutes les personnes que vous avez vues juste avant dans la voiture, nous avons monté un projet avec un scénario et tout, mais nous n'avons malheureusement pas eu le temps de le tourner avant le 20 juillet, qui était la date limite d'inscription au festival, parce que c'était un projet un petit peu trop ambitieux, je pense, pour ça. Je vous reparlerai dans une autre vidéo de ce projet, car nous l'avons quand même réalisé pour éventuellement le présenter à d'autres festivals. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, nous venons de tourner la veille les dernières scènes. Voilà. Donc je vous reparle de ça dans une prochaine vidéo. Donc revenons au festival, entre-temps, eux, ils ont réalisé un truc un petit peu plus simple auquel j'ai malheureusement pas participé. Mais par contre, j'ai participé à un autre projet encore, qui a été réalisé par une autre équipe de personnes qui viennent aussi de l'atelier. Et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc l'important à retenir, c'est que je suis assistant réalisateur et régisseur sur le projet ACT, donc c'est le projet dont je viens de vous parler, qui est présenté ici à Strasbourg. Donc si vous souhaitez voir le film ou même les autres films présentés au festival, ils sont disponibles normalement sur la page Facebook du festival. Donc je vous mets tous les liens en description pour que vous puissiez aller voir tout ça. Toi, on t'a pas vu dans la vidéo, si tu veux faire coucou. Donc, nous voilà au cinéma, c'est l'UGC de Strasbourg. C'est ici que la projection de tous les films aura lieu. Ça fait donc 20 films en tout, sélectionnés sur un total de 50. Donc il y a 3 prix à gagner, je vous les affiche ici, plus un prix coup de cœur qui est donné par le président du jury. Ok, stop. Petite interruption, le prix du public n'a pas été attribué à ce festival, puisqu'il devait être voté directement par les gens sur la page Facebook de l'association Europe Art Vision. Et il se trouve que j'apprends, alors que je suis au montage de cette vidéo, que nous avons gagné le prix du public avec le film ACT. Voilà, donc c'est super, c'est quelque chose que je ne sais que maintenant, donc ça me paraissait assez nécessaire d'interrompre la vidéo pour le dire. Donc voilà, nous pouvons reprendre. Alors je suis désolé, j'aurais pas beaucoup d'images de ce passage-là, parce que c'était un peu compliqué de filmer durant la projection et la remise des prix, etc. Donc pour me faire pardonner, je vous mettrai en fin de vidéo une petite visite de la ville, ma foi très jolie. La remise des prix a lieu et nous n'avons pas gagné, malheureusement, ni le film auquel j'ai participé, ni le film de Patricia que vous avez vu avant dans la voiture. Bon, faut dire que nous avions quand même une bonne concurrence, mais c'est pas grave, c'était déjà vraiment super d'avoir été sélectionné et de pouvoir participer à ce festival. On a un prix, mais on a aussi un coup de cœur, voilà. Donc notre coup de cœur va au film Rossignol, du collectif Les Histoires de Sion. C'est quel le premier, je crois. C'est quel le premier? Bravo! Bravo! Moi, je peux pas applaudir, mais... Mais pas de suite, il me semble que c'est le premier. C'est le premier, je crois. Bonsoir, ça te dérange pas de passer? Merde. Bien sûr, tout s'est clôturé par une petite soirée,
que je n'ai pas filmé non plus, mais je vous garantis que l'ambiance était au rendez-vous. Allô? À mon ami. Enfin, c'est à qui ou je veux le. C'est mieux dans l'autre sens, non? C'est lui. Avec nous. Avec tout le monde aussi. On fait un peu de music video. Don't be fooled by the rocks of the gap. I'm still Jenny from the back. J'adore. Il n'y a rien qui se passe. On bouge, les liens bougent pas. Bah oui. Ouais. Pardon. Ah, il faut donner le ticket. Zut, il est dans mon sac. Merci. Merci. Je me tiens en fait du coup. Ah, il est là. S'il vous plaît. Merci. Merci à vous. Ça a l'air content, gros. Oups, sorry. Ah, mais ça se dit. Yeah! Mais ces comédiens sont fous. En vrai, c'est super esthétique. C'est Olivier. C'est super cool. Moi aussi, laisse-le un peu sur moi aussi. J'avais vu le pistolet de l'Ouest. Là. Elle était où? Piou, piou. On a cherché, mais elle était nulle part. Ah, elle est là. Il faut le trouver. Piou, piou. Piou, piou. Olivier, je vois le fan. Moi, c'est ça donne parce que je le vois pas, mais... Tu le vois pas, mais c'est pas grave. Je préparais le bol. Putain, les gros plans, c'est à fond intéressant en fait. Oh, mais c'est génial! Ah, c'est absolument génial ça! D'accord, vas-y, go! Porta mi via, tu mi devi seferire, seferire. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 Martina. Et on t'a volé le cochon, hein, Esther. On t'a volé, oui. Mais ça lui va bien, hein. Excuse-moi, mais ça lui va bien. Oh, je te le dis. Non, non, non. Ça lui va, Non, mais ça c'était trop cool. Mais regarde, ça c'est un poème à la diversité. Il est tout de chavail, mais... Eh, j'ai pas vomi, hein. Thank you.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mettre un j'aime, et bien sûr vous abonner si ce n'est pas encore fait à ma chaîne YouTube. Je vous rappelle aussi que j'ai une autre chaîne YouTube sur laquelle je fais un peu plus de trucs qui n'ont rien à voir entre eux. Voilà, donc cette chaîne est dédiée au cinéma. Cette chaîne-ci, je parle, est dédiée au cinéma, mais j'ai une autre chaîne YouTube si cela vous intéresse. Donc voilà, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai toujours ce petit reportage sur la permaculture à vous montrer, mais j'ai un peu tardé au montage, je suis désolé. Donc j'ai un peu avancé, normalement, vous l'aurez la prochaine fois. Voilà. À plus tard! Mais non, mais j'ai pas assez de plans avec Aude toute seule, donc laisse ça à Aude. À quelle vitesse? En plus, elle est plus esthétique. Quoi? À la limite, il faudrait que tu... J'aurais pas aimé. Non, mais c'est avec les vêtements. C'est beaucoup plus mieux ça. C'est beaucoup plus mieux, déjà pour le français. Je marche à quelle vitesse? Tu sais mieux que tu reviennes. Ah, que je revienne. Ok, j'enlève tous mes vêtements. Ouais, enlève tout. Non. Putain, je filme déjà, mais... Concentration. Action! Je connais le son, je crois. Estrasbourg!